Bonjour et bienvenue pour notre survie du week-end. Alors, on voit rien. On voit rien. On va descendre. Alors, on est rentré donc au lac Mystère. On est rentré chez nous. Tada. On est donc rentré au lac Mystère. Alors, ce qui s'est passé, alors, petit résumé des épisodes précédents. Donc, nous étions à l'autoroute côtière. On a fait l'autoroute côtière, je dirais, à plus ou moins complètement. Ça s'est bien passé. Et après, on a fait le site de Désolation. Désolation, on a visité, en fait, on va dire, les plus gros endroits, hein, genre le bateau échoué. J'ai oublié le nom encore. Le phare. Après, la conserverie, ou je sais plus trop quoi. Donc voilà, on a fait que ces trois endroits, grosso modo. Après, il y a encore d'autres petits endroits, mais bon, beaucoup de loups, beaucoup de saloperies, quoi. Et cette fois, donc là, du coup, la dernière fois, donc on est retourné à l'autoroute côtière. Ça s'est plus ou moins bien passé. Ça s'est plus ou moins bien passé, j'ai envie de dire. Peut-être un peu moins que plus, parce que on a forcé un peu sur notre voyage, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas beaucoup de vie, on est à peu près à 50% de vie, donc ce qui est un problème. Ce qui est honnêtement un problème. Par contre, on a découvert que la dernière fois, on pouvait manger et manger de la nourriture, genre de loup, d'ours et tout ça, sans trop risquer grand chose, c'est-à-dire que nous, on doit en fait tout simplement éviter de dormir. Comme ça on n'est pas malade, comme ça on est sûr de ne pas être malade. Donc on va peut-être pouvoir utiliser ça encore une fois aujourd'hui. Je pense que je vais le faire, je vais un peu expliquer ce qu'on va faire sinon. Après ce qu'on veut faire maintenant, du fait en fait pourquoi on est retourné ici. Du coup on voudrait aller... qu'est-ce qu'on prend? On va prendre ça. On voudrait donc aller au barrage, pour aller récupérer donc du métal. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on va voir si on a un peu de métal. Oups, pas là. Ouais, que 7. Donc il nous en faudrait à peu près une vingtaine de métal. Il nous faut du tissu aussi. Tissu, on en a 10. Donc, pourquoi? Parce qu'on voudrait forger donc la hachette improvisée et le couteau. Donc ces deux-là, c'est les plus importants, honnêtement. C'est pas très compliqué à faire. Et après, éventuellement, des pointes de flèche, genre une vingtaine, j'ai envie de dire, pour commencer. Il nous faut donc 5 de ferraille pour la hachette. Un seul tissu, donc ça va, c'est très facile. Et après, 3 ferrailles pour le couteau et un seul tissu, encore une fois. Donc, ces deux-là, ça va, c'est très simple. Et après, c'est un morceau de ferraille pour les pointes de feu, pour 2 pointes de flèche, pardon. On va prendre ça. Le marteau, non, on a des allumettes là. Donc du coup, ce qu'on va faire... Oui, ça va... du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu... On va prendre le fusil, je pense. Vu que nous n'avons pas de ferraille ici, et je crois honnêtement pas qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à détruire qui soient en métal. Ouais, pas grand-chose. Je sais que ça, on peut les recycler, je crois, les conserves aussi. Non, même pas. Non, j'ai rien dit. Ça aussi c'est en métal. Ah honnêtement, ...4 et 4, 8. Ça nous en ferait tout. Je vais être honnête, il y a de quoi faire en fait. Bon, il nous en faut plus de toute façon, donc on va pas se contenter de ça. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est pas mal ça aussi. Faut un peu apprendre à jouer avec les mods en fait. On va déposer ça. Ah, très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va pas prendre notre revolver, parce que le revolver il est à 52%. Attention, baissez-vous. Il est à 52%. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le fusil cette fois. Surtout qu'on a récupéré des balles. On a trouvé des balles la dernière fois. Voilà, voilà, très bien. Donc je voudrais un peu utiliser le fusil pour changer. Ça permettra de laisser le revolver se reposer un peu. Parce que encore une fois, on va pas trouver de kit pour le réparer. Enfin, le nettoyer plutôt. Et du coup, on va devoir aller les réparer dans la zone avec les loups gris. Et ça sera quand même bien plus tard.
donc ouais, c'est un peu chiant. On a notre scie. Pourquoi je suis à 35 déjà? Ah oui, on n'a pas de, on n'a pas de fuel, ça c'est un problème. Je vais poser ça. Ouais, on n'a pas de fuel, donc ça c'est un gros problème, je pense. J'ai envie de dire. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ouais, 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 ouais. Ouais, on est bingo, on est bingo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. Et du coup, je pense... Oh merde, putain, ça déshydrate à mort. Ça déshydrate à mort et on peut pas vraiment s'arrêter parce que si on remange par-dessus. Par contre, on va en manger plusieurs. On va manger celui-là. Voilà, parfait. Ah, c'est chiant, 002. Voilà, et on est monté à 4%. Donc voilà, donc maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on reste éveillé. On essaye de pas dormir. Ouais, on essaye de pas dormir, tout simplement. Et on y va. Donc ouais, notre but c'est de ne pas dormir pour éviter de tomber malade. Et par où on va passer, moi? Attendez. On va passer par la glace. Et du coup là ça nous fait un estomac plein, ça c'est bien. Et on va pouvoir durer un petit moment, voilà, tout simplement. Tout simplement. On a notre fusil, on a tout. On va essayer de pas sprinter non plus. Allez, ça commence, je vois déjà un loup là. On va essayer de pas sprinter pour pas se fatiguer. Non, il m'a déjà repéré. Je vais pas me baisser parce qu'il fait froid. Ouais, c'est pas grave, allez, vas-y, viens. Ramène ton cul. Par contre, t'es un peu proche. Oh, il y en a un autre à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bifurquer sur la gauche. On va voir... vous savez où il y a les lapins? Donc peut-être qu'on pourra gruger le loup pour qu'il attaque les lapins et après on lui mettra une balle. Ah, il y a des massettes encore. Ah, il est là. Est-ce qu'il a abandonné? Non. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Pas mal ce qu'on fait. Le coup de la viande, hein, je parle. Le coup de la viande, surtout. Je pense que c'est bien. Ça nous permet de rester tranquille niveau... niveau nourriture pour le moment. Mais il va falloir qu'on trouve de la vraie nourriture. Enfin, de la nourriture sans problème. Sans risque de maladie. Gardez ça en main. Allez, c'est la joie. Oh, oh, regardez-moi tout ça. 3, 4, 5... Ah, j'ai vu un lapin ou pas? Oui, 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 il y a un lapin. Par contre, on tremble maintenant. C'est un problème, ça. Il a eu peur. Merde, il est allé de ce côté-là. Ouais. Oh, il a attrapé le deuxième lapin. SPC. Elle est où la douille? Oh, je vois rien du tout.
Là. Pourtant, j'étais bien dessus. Hein. J'étais bien, bien dessus. Hein. Je sais qu'on tremblait, mais... Non, bah, c'est pas grave. Je sais qu'on tremblait, mais bon. Ça aurait dû toucher quand même. Enfin, bon, ouais, c'est ce que je pense. Bon, on s'en fout, très grave, très grave. Ça m'embête. Ça m'embête quand même. Si on n'avait pas ce froid, honnêtement, on lui aurait mis une balle à la tête direct. On lui aurait mis directement une balle à la tête. Bon. Bon, le bon côté des choses, c'est qu'on a deux lapins. Voilà, tout simplement. Je pense que le deuxième, il a dû en manger un peu, donc on va peut-être... on doit peut-être avoir genre moins d'un kilo de viande dessus, j'imagine. On verra ça après, quand on sera au chaud. Par contre, j'ai envie de sprinter un tout petit peu. Ah, quoi que non, sinon on va devoir dormir. Mais bon, ça devient un peu dangereux. Hein. On est quand même bas en vie. Hein. On est quand même très bas en vie. Mais là, je pense qu'on est parti pour rester éveillé longtemps. Donc du coup, quand on dormira, on va faire une... Genre un bon 10 heures. Oh, il y a de... des trucs à ramasser. Non, c'est pas grave. On va faire un bon 10 heures. Comme ça, on récupérera le plus de vie possible. Et peut-être qu'on utilisera même des tisanes. Je sais qu'on a deux tisanes de côté. Donc ça serait peut-être intéressant aussi de faire ça. On verra. On verra, on verra. On va se réchauffer là déjà. Allez, ouf. Ah, c'est pas... C'est pas trop facile, hein, encore. Dans les étagères... Ah oui, est-ce qu'il faut de la lumière? Ouais, il faut de la lumière, merde. Ah, oui. Oui, ah oui. Ah oui, petit problème du coup. Petit problème, il nous faudrait de la lumière. Par contre, on va regarder. Alors, ça c'est le premier. 08 05, ouais, il n'y a strictement rien dedans, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce qu'il nous faudrait maintenant, ce serait honnêtement une aurore boréale. Ok, on n'a plus l'hypothermie, on va sortir. Si je trouve la porte. Ouais. On va aller directement au barrage. On va aller directement au barrage. Fermer la porte, très bien. Oh! Ouh, un 5. Ok, pas mal, pas mal. Il nous faudrait des caisses à casser. Dans le barrage. Il nous faudrait des choses à casser. Ça, c'est bon d'avoir vu le cadavre. Je pensais qu'on l'avait nettoyé, celui-là. Bon, apparemment, non. On va voir un peu comment ça se passe. Mais je pensais vraiment qu'on l'avait vidé, mais apparemment, non. Donc, on pourrait récupérer la peau. Et la viande. Alors... Voilà. Et ça c'est déjà bien. Donc faut voir un peu. On en a 6, ça c'est bien. On va faire... Enfin, non, j'ai pas envie de faire les carcasses. Pourquoi je me bêche, je sais pas. Non, on va pas faire les carcasses. C'est un peu de la perte par... Oh la vache, ouais, je vois rien du tout en fait.
Je suis désolé, oui, je vois rien non plus. Ok, alors attends. Attendez. On va essayer de repérer des caisses. À casser. Ouais, voilà, là pas. C'est pas mal. Ok. Faut éteindre. Très bien. Caisse, très bien. Ok, on va voir. On va voir un peu notre. 100 calories, c'est pas mal. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'est pas vraiment là pour ça, mais... J'ai envie de dire que... Ouais, enfin voilà quoi. Ouais, on a 800 calories. Ouais, il nous faudrait qu'on aille récupérer la viande à l'extérieur. Qu'on cuise ça aussi. Comme ça on fait tout. Et après, ce qu'on va faire, c'est... Ah non, on est un peu bloqué en fait, si on n'a pas... Si on n'a pas de lumière, ouais, on est un peu bloqué. Alors après, on peut toujours utiliser la lampe, mais le problème c'est que j'ai pas de fuel en fait de réserve. On n'est pas revenu avec du fuel. Je pensais qu'on en avait. Ah, ici, mais en fait non. Donc ça c'est un problème. On va mettre le feu. On va mettre le feu là. Là peut-être. Je sais pas là s'il est bien. Ouh la vache. On va le mettre là. On va pas faire de trucs trop compliqués. Alors, on va faire ça. J'entends un loup. C'est un loup, ça, non? Quoi que ce soit, de toute façon, ils peuvent pas venir. Ils peuvent pas venir parce que c'est tout... Il y a que la porte. On peut rentrer que la porte du grillage. C'est tout. Il n'y a pas de trou après dans le grillage. Donc on risque rien. Là, le feu devrait être protégé, ça va. Par contre, il a l'air d'être très très proche. Juste pour un peu augmenter la chaleur du truc. Ah oui, juste là. Ah, il a eu peur. On va faire ça. Hop. 26 minutes, 15 minutes, ça va, on a chaud. Ah oui, c'est gelé. Donc du coup, on est obligé d'utiliser la scie. C'est pas grave, on va l'utiliser. De toute façon, du coup, ça va vite, comme ça. Donc ça va, c'est bien. Hop. Est-ce que la carcasse est gelée et on peut pas les trafiquer pendant quand c'est gelé? Enfin, pour le moment, on n'a pas encore le niveau. Quand on sera au max, je crois que même des carcasses à 100%, on peut les faire à la main après. Ça, on prend. 2 minutes. 48. Ça, par contre, je crois que la fourrure, c'est mieux à la main. Si je me rappelle bien. Donc, la fourrure, peut-être qu'on va attendre que ça dégèle. Faut que ça soit à moins de 50%. 45 minutes. On va faire de l'eau. Très bien. Ok. Ouais, à la main, vous voyez, 32 minutes. Ouais, c'est des petites choses à apprendre aussi un peu par cœur. Enfin, après, ça vient tout seul, honnêtement. Mais ouais, la différence de temps, en fait, avec les différents moyens du bord. On peut être à 3 minutes. Alors, on va manger ça. Histoire de se maxer un peu. Très bien. Ah, une chose à savoir, ce serait, est-ce que... Genre par exemple, disons que c'est 12 heures. Que ça reste 12 heures, les parasites.
imaginons. Imaginons que... Genre, on laisse passer 10 heures, donc après dans 12 heures, c'est fini. Hein. Est-ce que Romanger va remettre le... Wow. Tu vas fermer ta bouche ? Est-ce que ça va remettre le temps en fait à 12 heures encore une fois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça va reset le temps ? J'ai envie de lui mettre une balle à l'autre. Là. J'ai tellement envie de lui mettre une balle. Ouais non, j'ai pas envie de perdre ça, on sait jamais. Voilà. On a encore 1h20, très bien. 960. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, très bien. Un peu d'eau. On a les lapins à vider, mais honnêtement, les lapins, c'est pas très grave. On peut les faire après. On va faire de l'eau. Très bien. Et maintenant, on va prendre la peau. Voilà. Ben voilà, ça se couple bien pour le moment. Ça se passe bien. Très bien. Faites voir, on est à 2 litres. C'est bon. On pourrait tenter de lui mettre une balle quand il fait des allers-retours, hein. Mais bon. C'est risqué. J'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Voilà. Là on le tue, là. Là on le tue. Si jamais il refait ça, je lui mets une balle. Si jamais il ouvre encore sa gueule, il se prend une bastos dans la tête. Ok. Alors, 1h04. Les lapins, je sais pas si on va les faire en fait. Genre pas dehors en fait, ça sert à rien. Les lapins, on peut les garder sur nous. Alors attends, qu'est-ce qu'elle jette en premier ? Elle va jeter boyau et après carcasse de lapin. J'ai jeté l'eau, j'aurais dû la laisser. Parce qu'en fait on la boit, mais le surplus en fait va rester dans la conserve. Va pas aller dans notre inventaire et après disparaître, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi ça marche bien, donc il faudrait la laisser tout simplement. Bon, ça nous avance pas vraiment des masses en fait. Donc nous qu'est-ce qu'on fait pour le métal? Est-ce qu'il y a un moyen de couper du métal à l'extérieur? J'ai envie de dire, parce qu'on fait un feu, on reste à côté du feu. Autant faire ça, parce qu'à l'intérieur, ben ouais, non, à part utiliser la lampe, je vois pas ce qu'on peut faire, en fait. Ça m'embête, ça. Dans les bungalows, là, on peut pas faire de feu. Il n'y a pas de baril, rien. Ah ouais, non, on est un peu bloqué, j'ai envie de dire. Attends, on peut pas scier les barils. Il y a plein de caisses par contre. C'est quoi ça? Planche.
Planche. Ouais, non, c'est un peu... Ah! Ah oui, là, c'est embêtant, là. Ce serait bien de pouvoir faire des feux en intérieur. Est-ce qu'on a un baril à l'intérieur? Ah oui, on a un baril. Dans le barrage. Mais est-ce qu'il y a du métal autour? C'est ça la question. Alors, on va pas trop s'approcher du... Ouais, doucement, doucement, doucement. Pas trop s'approcher du grillage parce que s'il nous chope. On va faire ça. Non. On va rentrer au barrage, on va aller faire du feu dans le baril. On va faire du feu dans le baril. Et on va voir si on peut scier des choses depuis en fait cette position là. Parce que là, oui, on est un peu bloqué en fait. Ah, c'est chiant ça. J'avoue ne pas avoir pensé à ça. C'est du... Non, c'est des toilettes. Du métal, il y en a partout quand même. C'est par ici qu'on descend? Je me rappelle plus. C'est pas du tout ici, c'est bien. Ah, c'est là-bas, là, je me rappelle. Après, on a du bois et tout ça, donc on peut refaire un feu, on peut le faire durer quelques heures et tout ça, on devrait pas avoir de problème. Metal pipe, 1 heure. Pas mal, pas mal, pas mal. Faire gaffe aussi sur les... les câbles électriques, qu'il n'y ait pas une aurore boréale qui se déclenche. Non, 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 dépêche, non. Comme tu veux. Ok, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Les barils peut-être derrière? Non, quoi que non, cela ça m'étonnerait. Je sais pas en fait la zone d'effet du feu en fait. C'est ça qu'il faudrait que je sache. On va voir, on va se débrouiller. Pour l'instant, déjà on fait un feu. Voilà, 1h30 de feu. Ouh! Niveau 3. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc du coup, niveau 3, ça nous donne accès. Ah, je crois qu'on a plus besoin de petits bois. Alors, 65% de chance d'allumer un feu, les feux durent plus de 8%, et plus besoin de petits bois. Ouais, ça c'est bien, du coup on pourra garder vraiment le petit bois pour... c'est du plastique. Les petits bois pour... Pourquoi? Pour augmenter la chaleur, tout simplement. Un diable, 1h30, 4h. Carter, hydroénergie. Faire attention au câble encore, je le répète.
Metal pipe. Là aussi. Peut-être qu'on peut faire ça. Ok, on va tester un truc. On va voir un peu la distance en fait. Alors, attendez, parce qu'en fait on voit rien, c'est un problème. Ok, le diable il est là-bas. Il est dans cette direction, ok. Si regardez, c'est peut-être un tout petit peu abusé en fait, les ténèbres qui viennent quand on... Quand on éteint la torche, je veux pas dire, mais tout petit peu abusé. Ok, 2 heures de feu, très bien. Alors, tout droit. Ok, le diable est là. Parce que j'ai pas envie de marcher avec une torche, parce que ça va me dire oui, du coup, ce que je vais illuminer en fait le diable avec la torche, donc elle va vouloir le casser. Mais si la torche s'éteint, du coup, on va genre passer peut-être 1 heure à le découper, puis en fait, ça va pas aboutir, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je marche dans les ténèbres en fait. Alors on va voir maintenant si on est à portée de la lumière. Yes. Là, doucement. Pas de câble. Ok. Oh, on peut plus revenir en arrière, je crois. Ouais, non, on peut plus, ça chauffe. Ouais, ok, on est bloqué ici. Mais merde. Pour le moment, on est bloqué ici. Bon, c'est pas grave. On a encore 30 minutes de feu. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Je suis en train de réfléchir. Ah mon dieu, maintenant... Ah oui, si vous êtes épileptique, regardez pas. Ça va être une horreur pour vous. Non. Bah de l'eau, j'ai envie de dire. Alors, metal pipe. 1h03. Ouh, cool. Ah merde. C'est bon. Les braises étaient encore chaudes. Par contre, j'ai l'impression que... Je crois que l'aurore boréale, elle est pas finie. Mais vous savez, des fois, l'intensité baisse, augmente. Donc des fois, les lumières, en fait, s'éteignent. Mais il y a toujours de l'électricité. Donc normalement, on devrait pouvoir encore... Oh, il n'y a plus de flamme. On devrait pouvoir encore découper du métal. Ah, du coup j'ai perdu mon eau. Touche pas ça. On va découper ces métaux. Ah, il y a une caméra, j'avais jamais fait attention à ça. Ok, très bien, ça fonctionne. C'est un peu dangereux, enfin c'est pas dangereux, mais... Pff, oui, c'est un si, ça reste dangereux, mais... C'est un peu compliqué en fait, faut éviter les câbles, faut prendre du métal, faut rester près du feu qui vient de s'éteindre, donc du coup on s'en fout. Ah c'est compliqué hein. Ah bah oui mais j'ai la lampe. Bon, ici. On va se mettre là. Hop. Non. On va éteindre. Notre scie à 65%, ça va. Non, pas ça. Ah, c'est directement une autre ambiance à chaque fois. La lampe torche avec les effets d'ombre et tout ça. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal à chaque fois. Qu'est-ce qu'on pourrait casser encore ? Câble là.
2h36. Jamais vu ça. 6. Et un tissu. C'est pas le meilleur. On n'a qu'à faire ça, ça fera moins de temps. La palette. Ok, il faut qu'on mange. 97. Ah ouais, quand même. C'est vrai que aussi, ce qu'on fait là, c'est que on dort pas. Donc du coup les calories descendent très vite. Hein. Les calories descendent très très vite. Et c'est un petit problème. Je pense qu'on est bon pour le métal par contre. Je pense honnêtement qu'on est bon. On a toujours les parasites, ça m'embête ça. Ça m'embête. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des massettes à récupérer sur le lac. On en a vu quand on est venu. Donc à la limite on peut prendre ça. Et tenir un peu plus. Je sais pas pourquoi je fais ça là maintenant, on s'en fout. C'est le métal que je voulais voir, je vais voir. 19, c'est pas beaucoup. Hein. 19, c'est pas beaucoup. Après, on peut en récupérer chez nous. À la limite, j'ai envie de dire. Ouais, on va faire ça. On va rentrer maintenant. Je crois que ça suffit. Parce que je voudrais bien rester plus longtemps. Enfin, quoi, qu'on peut peut-être même pas de rentrer, en fait. Comme j'ai dit, il y a le problème du courant, là, des câbles. On peut passer par le haut? Non. Ah. Je suis en train de me demander si on est vraiment pas bloqué en fait. Genre là, je peux pas passer par là. Je sais pas pourquoi je regarde. On l'a déjà vu plusieurs. Enfin, on est déjà vu, on a déjà fait le tour plusieurs fois donc. Contrôle, tower damage. Ah, tu peux la détruire ça aussi. Contrôle panel, pardon. Je me disais 20 minutes pour détruire genre tout ça. Non, en fait, c'est les panneaux. Pourquoi je suis en train de refaire le tour là? Ça sert à rien ce que je fais. Ouais, non, je... Ah oh, putain, on peut pas aller dans le couloir, sinon on va se faire électrocuter. Donc on peut pas rentrer. Il faut qu'on attende que l'aurore boréale passe. Mais le problème, c'est qu'on peut pas attendre des heures non plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de nourriture. Ah ouais, là, on est... Là c'est un problème, là, par exemple. J'avoue que c'est un problème. Attendez, on va faire ça. Ah, oh, on est trop loin là. Pile à plat. Ah, ça y est, on peut se casser. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, vite. Je vais pas sprinter non plus, mais... Ouais, non, si je sprint, ça va me... Ça va me faire baisser mes calories encore plus. Donc on va rester tranquille. Bon, pour le moment, ça joue bien, j'ai envie de dire. Pour le moment, ça va. Est-ce qu'on voit assez ou pas? D'accord, on voit strictement rien, c'est bien. Par contre, j'entends encore du courant, mais normalement, on est bon. Hein. Les brûlures, tout ça, machin, non, non merci. Non merci. Non, pas par là.
Vous avez vu, ça s'écroule en fait. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire du feu à l'extérieur pour faire chauffer un thé. On va voir. Déjà, on va aller dans les mobilhomes. À chaque fois, je dis bungalow, c'est mobilhome. On va aller dans les mobilhomes. Ah, mais ça va, on a un peu une meilleure vue quand même. Enfin, ouais, façon de parler. On va aller d'abord dans le mobilhome et on va voir ce qu'on fait à ce moment-là. Déjà, je voudrais qu'il n'y ait pas de loup, rien. J'entends rien, je vois rien pour le moment. Ok, on est bon. Fouh. On est bon. Alors, on a un peu froid. On a un peu faim, on a un peu soif. Quoi d'autre, hein? Honnêtement, quoi d'autre? Pas trop boire si on boit du thé. Pour se réchauffer, donc on a 700 calories. On a ça. Un seul. Non, attends, ils sont où les trucs préparés? Ah oui, non, non, on en a pas. Ouais, on peut faire bouillir un thé, ça nous réchauffera. On peut faire ça. On peut faire ça. Par contre, on peut pas genre passer genre 5 minutes, 20 minutes. Juste pour être un peu plus chaud. Le temps en fait qu'on fasse le feu, qu'on fasse bouillir le thé, vous voyez, comme ça on reste toujours dans le positif. Ouais, ça augmente assez vite. Ça augmente assez vite. On va faire des fagotas en plus. Très bien. Ok. Ça. On est bon? On est bon. Donc on sort, on fait un feu. On fait un thé et on part. Tout simplement. Ouais, d'accord. Ça serait bien de l'allumer, la torche. Il paraît que ça marche mieux quand on allume la torche. Ah mince. ...65%, c'est pas grave. J'ai pas envie d'utiliser le bois de récupération. Le bois de récupération, ça donne quand même pas mal de temps. Enfin, quoique, en fait, j'aurais dû le faire. Ah, j'ai été con. Non, j'aurais dû... Ouais. Parce qu'il faut quand même que le temps pour que le thé chauffe. Ben voilà. Mais parce qu'on est bête, parce qu'on fait des conneries. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas. 65%. C'est bas, 65%. On aurait dû... Je devrais re-rentrer. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Je devrais re-rentrer et faire un bout de bois. Putain, merde. Y a pas un bout de bois qui traîne. On va se faire courser par un loup. Did I say I hate being cold? Because I really do.
85. C'est un peu mieux. Là, c'est juste pour faire le thé, hein, donc on s'en fout un peu de l'endroit où on fait le feu. Vous imaginez si on avait utilisé plein d'allumettes pour faire ça? Allez, risque d'hypothermie, c'est reparti. Minutes. Alors, 1, 2. Ok, chaud. Très bien. Très, très bien. Let's go, on part. Alors on va d'abord regarder ici, voir si on trouve des voilà. Massette. J'ai l'impression que le loup est parti. Honnêtement, je suis très content de ça. Alors massette, puis après on va bifurquer vers la gauche. On va repasser par les lapins, en espérant qu'il n'y ait plus les loups. Et on va récupérer les bois. Vous vous rappelez on a vu des bois à couper. Donc on va faire ça. Ça descend la chaleur, mais c'est pas extrême. Alors donc là, on va pas faire tout droit, on va bifurquer sur la gauche. Est-ce qu'il y a encore des massettes? Non, ok, bifurquage. Et là, on va à droite. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est refaire... Si jamais on trouve du bois... du petit bois, je parle. Genre 4-5 branches. Genre sur la prochaine partie, là. À la limite, j'ai envie de dire, on va peut-être refaire un feu et refaire un thé. Mais bon, enfin, c'est... Du coup, les thés, ils partent vite. Hein. Mais bon, on en a pas mal, quand même, de côté. Donc... Autant que ça soit utile. Je préfère utiliser un thé que perdre de la vie, bêtement, en fait. Oui. T'as qu'à trouver des morceaux de bois. Hein. On va voir là. Là, j'ai vu qu'il y avait des lapins encore, je crois. Il nous en faudrait au moins... 4 de bâtons, 5, je dirais. Ouais, lapin. C'est pas beaucoup. Je sais pas si c'est suffisant en fait. Normalement, je pense que oui. Mais monte là! Je m'en fous. Et où la torche? Ah bah oui, mais bon! On va se mettre là. J'entends un meurtre. J'entends un meurtre de lapin là. Donc ça veut dire que on a des loups. On a des loups. Ok, soyons prêts. One little fire. Come on. On va le retenter. Après il va falloir changer de torche là si ça marche pas. Ah.
Allez. Come on, little fire. Et arrête de parler peut-être. Peut-être que tu fais peur au feu. T'as jamais pensé à ça? T'as jamais... Ça t'est jamais venu à l'idée. C'est peut-être toi le problème. Oh, super. Oh non, t'es sans déconner. Qu'est-ce qu'on fait? Merde. On est méga loin. On est méga loin de la maison. On fait demi-tour. Ça fait chier, on a fait des... On a utilisé des tisanes pour rien. Je sens que je vais faire un truc, je vais le regretter. On va foncer. C'est complètement débile ce qu'on va faire, mais bon. Faut faire attention, maintenant ça brûle, hein, je vous le rappelle. Excusez-moi, mais je vais être un peu silencieux, il faut que je me concentre en fait. Ok, là il y a les bois. On va les prendre. Genre, jette ton corps dessus, casse-les. Ça ira plus vite. Très bien. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça? On se protège du vent. On colle la paroi. Le plus possible. On attend que ça revienne, le sprint. Go. Ce qui est embêtant, c'est que là on est complètement exposé. On n'a pas de bouclier là. Aïe aïe aïe. Mais ça va. On devrait arriver en un seul morceau, honnêtement. Bon, on va peut-être pas faire ça. Ah là là. La vie elle baisse, hein. C'est bon, on y est.
Bon bah voilà, c'était pas... hein. Ça va. J'ai envie de dire, ça va. On va devoir faire quand même très attention maintenant, parce que là on a plus de, on a vraiment très très peu de vie. On a vraiment très très peu de vie et ça va nous poser problème à un certain moment. Parce qu'on va plus pouvoir faire, genre ce que je viens de faire là, on va plus pouvoir le faire bientôt si on a très peu de vie comme ça. Donc ça plus jamais pour le moment. Ah putain. Que chiant ça. Attendez. On va pas mettre la ferraille ici. Mettre la ferraille là. 26, très bien. On va déposer la peau. Bon, ils sont tous séchés de toute façon, ouais. Tac, tac, et on a des bois en plus. Voilà, on a plein de bois de toute façon. On va les mettre, mais j'en sais rien, on va les mettre là. Très bien, on va mettre le bois là. Même si je voudrais le mettre dehors, mais j'ai vraiment pas envie de ressortir. Il fait un tout petit peu froid, il paraît. Mais voilà, si on n'avait pas utilisé honnêtement le système de... comment ça s'appelle ? Ouais, c'est pas mal comme ça. Le système d'été, honnêtement, je pense qu'on serait possiblement mort. Je vais être honnête, possiblement mort, ou alors genre dans le rouge, vous voyez, on commence à tituber et tout ça. Ouais, je pense que ça aurait mal fini. Après, on a une petite amélioration de d'état, encore pendant une heure. Donc, on régène, en fait. Je vais laisser la souris, normalement, on devrait voir. Mais sinon, on a... Donc, on a récupéré le métal. On a 26 morceaux de métal. Bah, ça va. Honnêtement, ça va. Non, le... Ça va. Bon, le seul problème, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on n'a pas récupéré de viande. On n'a pas récupéré de nourriture, en fait. Ça, c'est un problème. Bon, là, on a les parasites pour le moment. On peut pas vraiment dormir, mais on devrait... Normalement, ils devraient partir bientôt. À moins que plus on en mange et plus ça reste longtemps. Je sais pas. Mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de... Pas vraiment besoin de dormir, donc ça va. Mais ouais, je crois que la prochaine fois, on va chasser. Absolument. La prochaine fois, on va chasser absolument. Réchauffement qui va partir. Est-ce qu'on va le voir disparaître ou alors il faut changer de menu? Genre, est-ce que ça va se mettre à jour? Parce que pour l'instant, là, la barre, elle est partie. Il n'y a plus rien. Hein. Je sais pas. Ouais, il va falloir qu'on chasse. Ouais, il n'y a plus rien qui s'écrit. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir le bonus. Ouais, mais c'est marrant, cet écran-là, du coup, se met pas vraiment à jour. Ça, c'est bon à savoir, vous voyez, ça, c'est des petites choses qu'ils auraient pu corriger avec le temps. Du coup, on va se préparer... Oh, parfait. Oh, yes, parfait, parfait. Du coup, on va se préparer pour sortir... Non, pour chasser. Non, non, faut chasser. Il est à combien, notre fusil? Ça, c'est bon, la scie elle est encore à 50%, ça va. Je suis en train de voir pour faire de la place en fait. On a encore les lapins.
Bon, du coup, on peut dormir pendant un petit moment. Histoire de... de pas trop se fatiguer. Ouais, et on va mettre fin donc à notre épisode. On va en manger 5. Donc voilà, le prochain épisode, donc ça va être chasse. Il faut absolument qu'on trouve un cerf ou un élan et qu'on ait de la nourriture comestible en fait. Ou alors, j'ai envie de dire, on peut possiblement aussi faire cuire le l'ours qu'on a à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'en fait, on reste... comment dire, je pense qu'on perd trop de vie en fait. Il faudrait qu'on dorme plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai envie même d'utiliser une tisane. On en a seulement 2. Et donc, bon, j'ai pas vraiment... En plus, vous voyez que c'est 100 de calories. Donc, ça veut dire qu'on les a faites il y a très très longtemps. Hein, parce que maintenant, quand on fait des soins, en fait... Bon, ça, il y en a qui sont encore vieux. Mais voilà, on arrive à 120. Vous voyez? Donc, on n'en a vraiment pas retrouvé, en fait, des tisanes. Donc j'ai pas trop envie, j'ai vraiment envie de les garder de côté, je sais pas. Ah, dilemme, c'est un dilemme là, c'est un dilemme. On pourrait peut-être en utiliser une, histoire de récupérer un peu plus de vie. Est-ce qu'elle est vraiment fatiguée ? Oui, parce que si on va chasser, ça va être la merde. On va être dans le rouge et tout ça. Ouais. D'abord, on va perdre un tout petit peu plus de temps, histoire de la fatiguer. On va boire une tisane, on va manger des massettes et on va dormir. Ouais. Non, on va faire comme ça. C'est... C'est un peu plus safe quand même. Fais voir les calories. 1000, ça va. C'est un peu... Ouais, parce que sinon on va jouer... En fait, on va tout le temps jouer bas en vie. Et bas en vie, c'est la mort. Hein. Bas en vie, on se fait choper par un loup. Il nous regarde, on meurt. Quoi. Donc ça aussi, c'est dangereux. Mais c'est surtout, c'est qu'on va devoir sûrement vadrouiller pour chasser. Donc du coup, si on n'a pas de vie, on va pas pouvoir rester très longtemps dehors. Et ça, c'est un problème. Voilà, c'est pas mal là, comme ça. Ok. Fais voir. Faut vraiment qu'on monte la cuisine à 5, là. Oh là là, j'ai tellement hâte. C'est tellement long, mais j'ai tellement hâte. Allez, c'est parti. On a 860. On va en manger encore un peu. Histoire de pouvoir dormir, genre le maximum. Genre 12 heures peut-être, si je peux. Ce serait le top. On va faire ça. Très bien. Maintenant, on finit. Et voilà, ce sera la fin de notre épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien et faites attention à vous.